Ah, y a pas tout le monde, bonjour, bienvenue, merci de faire un tour sur la chaîne et passe ton chemin si tu freines. Oui, si tu freines, parce qu'aujourd'hui il va être question de frein pour deux raisons. La première, on va parler de frein à main, vous avez pu le voir au titre. Et la deuxième, grosse particularité, c'est que pour le test de ce frein à main, j'ai décidé de poser mon pied gauche au sol, histoire que ce soit uniquement du freinage au câble. Donc, je vais faire en sorte que sur le gameplay, vous voyez bien mon pied gauche qui soit au sol. De toute façon, j'ai préparé toute une série sur les réseaux, que ce soit sur Insta, sur TikTok, ou sur les groupes GT7 Facebook, ou le groupe GT7 Propulsion 38, où vous verrez en format vertical. Donc là, il n'y aura pas de souci. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vous montre comment on a amélioré le frein à main avec ma fille. Il y a un manche à balai qui a plié chez nous et on s'en est servi. Voilà, donc sans plus attendre, on va s'y diriger vers la représentation, puisque la plupart d'entre vous le connaissent, du setup. Et ensuite, le gameplay. Le gameplay, je vous préviens, Porsche Carrera GT. Hein. J'ai pas pris une Nissan Silvia ou... T'as compris? Porsche Carrera GT, pas de frein gaz. C'est parti, let's go. Voilà, donc on se retrouve juste à côté dans le setup. Où la plupart des gens vous connaissez, hein, c'est tout ça a démarré sur Kyoto avec une poignée de porte. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je construis ceci à l'arrache, hein, mais ça fonctionne parfaitement, je vous mets dans la description la vidéo en question. Ensuite, à la maison récemment, il y a un manche à balai qui a plié. Et donc, plutôt que de le jeter, je me suis dit, y a peut-être moyen de prolonger le manche. Et il s'avère que le diamètre était parfait. De ce fait, j'ai même pas besoin de coller, ça tient parfaitement. Comme ça, si j'ai une bidouille à faire, à bricoler, ou pour le transport ou quoi que ce soit, bah, je peux l'enlever. Vous pouvez voir que ça passe, mais vraiment nickel. Au niveau du look, ben, vous savez, hein, je suis fabricant de stickers sur mesure, donc j'ai pris la dimension de mon prolongement. Hop, j'ai fait ma petite commande. Et puis voilà, si vous aussi vous voulez des stickers, d'ailleurs, n'hésitez pas. On va se diriger immédiatement, sans plus attendre, vers ce gameplay sans frein, tout au câble, mon copain. Et les amis, comme tout ça a commencé sur Kyoto, je me suis dit, pourquoi ne pas faire l'épisode sur le même circuit que le premier épisode de fabrication du frein à main. Donc, bah, c'est parti, et autant vous prévenir tout de suite, il n'y aura pas le moindre cut. Je vous laisse tout le circuit entier. Et c'est donc sans frein, vous avez la petite pioupioute, la petite gâchette de frein, vous connaissez. Et puis de toute façon, il y a mon pied gauche, vous allez voir, ça ne bouge pas. Bon visionnage à tous, si le contenu te plaît, que tu veux que ça continue, n'hésite pas à t'abonner, big up, c'était Anto.
Voilà les frérots, c'est la fin de cette vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite surtout pas à aller dans la description. Tu trouveras les réseaux sociaux. Et si tu souhaites le réglage de la Porsche Carrera GT, tu le trouveras dans la vidéo Top 15 Best Drift Car. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente rentrée, parce que je crois que demain c'est la rentrée pour pas mal de monde. Je vous dis big up, c'était Anto.